bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village évidemment. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble et il est temps pour nous d'aller récupérer, merci de m'avoir dit dans divers commentaires, le petit trésor qui se cache dans cette fameuse maison qui était introuvable. On l'a fait deux fois en deux épisodes bien différents et on n'arrivait pas à trouver. Je cherchais énormément en l'air et tout, mais finalement, c'était pas du tout en l'air. C'était dans ma petite pièce verte, paraît-il. Il faut s'accroupir et c'est tout simplement à côté de la malle. C'est 500 lei. C'est nul à chier, mais au moins, c'est fait. Bah oui, ça me stressait. Donc, merci beaucoup et à la demoiselle qui me l'a dit. Elle se reconnaîtra, elle m'a envoyé un petit message sur Twitter et on va pouvoir enfin aller voir Heisenberg, effectivement, qui nous attend avec le bébé. Il nous attend depuis quand même pas mal de temps et le spectacle doit continuer. Il n'a pas tort, sachant quand même que l'épisode précédent, on a fait un boss. On a, j'ai envie de vous dire, plutôt bien taffé. Allez, on est parti. Cette fois-ci, tout droit, on n'a plus besoin d'aller à gauche. Et il y avait des pendus qui m'avaient fait bien stresser, d'ailleurs. La dernière fois. Ok. Ok, ok, ok. Il m'a mis mal. Il m'a mis mal, je vous le dis. Alors, attendez. Les gars, je suis surarmé, donc faites pas les cons, ok? J'ai cru que le pendu, il avait bougé, putain. Ok. Je l'ai pas touché, vraiment, genre. Tu vends? Hop, on l'a fait au moins une fois dans notre vie. Incroyable. Donc la farine, c'est pour aveugler les ennemis. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Bon, on l'a fait au moins une fois dans le jeu. Voilà, la farine, c'est donc pour aveugler les ennemis. À chaque fois, je me demandais. Mais... c'est rien, c'est une égratignure. Hop, ça dégage. Ok. Mais c'est pas possible. Je me fais voler là, non? Je me fais voler de ouf. Putain, le sub. Ok, attendez. On va faire le tour par ici. Ok, ça me rappelle un petit passage dans Resident Evil 4. Alors, je vous préviens d'avance, il est fort possible que demain soir, vous n'ayez pas d'épisode. Pourquoi? Je fais une réaction allergique à des antibiotiques. Ce n'était évidemment pas prévu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est férié. D'accord, donc je ne peux pas aller voir de médecin ni rien. Mais j'irai sûrement demain et je vous avoue que demain j'aurai peut-être pas la tête à record confortablement et comme il se doit la suite de nos incroyables aventures. Donc veuillez me pardonner, mais c'est pas sûr. Restez au taquet, Bernard Taquet évidemment, sait-on jamais. Mais souvenez-vous, j'avais quelques petits soucis de santé la dernière fois, donc je suis sous antibiotiques. Mais j'en fais une réaction allergique et je ne savais pas. Voilà, évidemment vous l'aurez compris, je prends très peu de médicaments dans ma vie. Donc, c'est un peu fort de souffrir à chaque fois que j'entre. Ah non, mais en fait, c'est juste qu'il... Wouh ! Ok.
pas possible. Faut balèze, toi. Faut croire, quoi. Ok, attendez, parce que là, j'ai fait le malin. Quoi? Non, c'est pas possible. Encore un. Meurs, non, mon ref. Incroyable. Ok, 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 on va essayer de ramasser un petit peu tout ce qu'on y trouve. Je pense qu'on va y aller au sniper, hein. Grenade explosive. J'avais oublié que j'avais ça, dit donc. Comment est-ce que j'ouvre ça? T'inquiète, on va l'ouvrir, mon Ethan. C'est peut-être pas notre première des priorités. Beaucoup de corbeaux, là, non? Un truc con, si je tire dans un corbeau, vous croyez qu'il tombe et qu'il me give un truc? Non, parce que là, c'est loot illimité, hein, les refs, hein. Après, bon, des corbeaux avec des munitions, j'en connais rarement, je sais pas vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Suivant. Suivant. C'est bien ce que je pensais. Quand on entend au moins votre grande gueule là, hein. Ok. J'ai utilisé pas mal de munitions. Oh, wow, 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 wow. Les gars, on est où là? Allez, on va monter là-haut. Parce que je vois que ça ne s'arrête jamais. Mais ils doivent pas venir à l'infini vu qu'ils givent, donc bref. Oh bah dites donc. Wouh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais pas, écoutez, c'est la pression, j'ai tiré là-haut. Dégage. C'est pas vrai. Ok. Voilà. Voilà. La loi, c'est qui? C'est moi, tonton. Et toi? Beaucoup trop fort. Headshot. Eh ouais, mon pote, sans viser. Alors, c'est qui le prochain Wartech? C'est moi, mon ref. Bon, plus de balles. J'ai fait le malin depuis le début. Je suis en mode, on est méga bien. Je me sens giga... Plus de balles. On verra ce que ça donne. Ok, 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 ok. Bah, à la limite, oh, cette munition de pistolet. Oh, vous êtes tellement mignon, bordel. C'est bien trop, ça. Il y a pas mal de... Oh, 25 munitions de pistolet. Vous êtes tellement mignon, vous dites donc. Comment on peut aller là-dessus? Peut-on déjà aller là-dessus? C'est la question que les Français se posent à l'heure actuelle, étant donné qu'en haut, il y a des petits bonus. Je les ai vus, mon pote. Bon, allez, c'est pas grave, on se casse. Alors, je pense que finalement, on va mettre ceci en raccourci, et comme ça, le magnum, peut-être qu'en l'équipant... Ouais, non, le magnum, j'ai quasi plus de munitions. Non, mais c'est très bien comme ça, c'est très très bien. J'ai eu, comme d'habitude, allez-vous me dire, une belle idée de génie. Qu'avons-nous là? Oh, c'est un très beau château. La forteresse, oui, ça y ressemble. Ça y ressemble, ça y ressemble. On a... Oh, 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 attends, attends, mon petit coquelicot. Le trésor de la forteresse. Ok. Il est plus là-haut en diagonale. Alors attendez, on a le trésor de la forteresse. Il est censé être en face là-haut. Alors là, mon pote. Cette pierre me paraît très bizarre. Je regarde s'il n'y a pas un trou dans le mur. Là, mon pote, ça m'embouche un coin. Sachant qu'on ne peut pas sauter. C'est très bizarre, non?
Non, je regarde si on peut grimper aux plantes, mais on n'est pas dans un RPG, mon ref. Attendez, attendez, attendez. Le doute m'habite, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça, dites donc. Là, on peut pas monter. Non. Là. Non. Ah oui. Je me suis dit, attends, ils ont pas fait ça, quand même. Incroyable. Bah ouais, mais non. Bah écoutez, on verra en sortant. Sincèrement, on verra en sortant. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Je pense que vous voulez voir un petit peu du jeu aussi avancé. On verra ça en sortant. Peut-être qu'on va, je ne sais pas, hein, gagner un grappin. Je dis une connerie, on n'est pas dans Zelda. Mais enfin bon, pourquoi pas, allez-vous me dire. Ok. En plus, à savoir que Heisenberg était quand même extrêmement badass, il faut le reconnaître. C'est une évidence. Alors, on va save, évidemment. On va save. On a de la ferraille ici. Oh, en vrai, j'ai fait un peu... Regardez. J'ai fait un petit peu le crevard, si je puis me permettre. Mais là, ça va être le côté très attaque, d'accord. Donc, ça risque de swinguer. Ok, on sait jamais, sur un malentendu, 6 cartouches, c'est déjà pas mal, ça ne sert à rien de save, on ne sait pas ce qui nous attend. Quelque chose ici, très beau ça. Quelque chose ici, très beau, donc il y a quelque chose ici, vous l'aurez compris. Ok. D'accord. Je commence de plus en plus à croire qu'il y aura peut-être, je ne sais pas vous, mais un grappin, non? Je sais pas, je... Il y a l'air d'y avoir pas mal de hauteur, des lianes. C'est sûrement leur repère. Oh oui. C'est là qu'on avait fait une des premières réunions, je m'en souviens. Ok, impossible. C'est quoi? Oh non. Un aller simple pour l'enfer. Venez les potes, je vous attends. Ah, je vous attendais pas par là. Ok. Wouh, derrière. Aïe. Ok. La doublette. Ok. Ça sent pas bon. Oh le bâtard. Beaucoup trop balèze. Ça dégage. Ok. Ça dégage. J'ai pas le temps maintenant, c'est des quick stop mon ref. Beaucoup trop fort. Wouh. Ok. Je me suis protégé. Oh là là. Aïe! C'est pas vrai. Vous serez bienvenu chez nous. Voilà. La loi, c'est moi, mon ref. Non, c'est pas possible. Tu survis pas à ça, normalement. Oh non. Non. Yeah. Non, y'a pas, c'est trop. Oh non, je suis bloqué. C'est trop. C'est trop. Eh, c'est pas possible, vous êtes combien, sérieusement? Ok.
Désolé, j'ai besoin d'énormément de focus. Tu m'as couru après, fils de pute! Incroyable! Wouh! Oh bah toi, c'est dans la bouche, hein, mon ref. Ok, on va mettre les nouvelles. Je ne sais pas c'est quoi. Ça y est? Un petit moment de répit, les potes? Parce que là, ça fait beaucoup, là, quand même, non? Ok... Très très bien. Oh, c'est incroyable, attendez, ça demande trop de trucs. Ok. Non, il n'y en a pas encore là-haut. C'est pas un peu fini ce... Non, c'est trop, c'est trop. J'ai juré. C'est beaucoup trop. Ok, toi tu vas mourir. Voilà. Quoi? Quoi? Ok. Aïe! Non, c'est trop. C'est trop. On me déteste. J'ai compris. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok. Ok. Voilà. Oh là 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 là, j'en ai marre. J'en ai marre. On peut respirer 3 minutes, 2 minutes. Allez, une, allez. Bon, une minute parce que c'est vous. Ok, ça s'ouvre en plus cette connerie là. Ouais, ça s'ouvre totalement. Waouh. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là tous ensemble, du bois. On va recharger comme ça, ça c'est fait. On va passer, on va retourner là-haut. J'ai l'impression de ne pas avoir été récompensé à ma juste valeur. Non, mais vous avez vu ce qu'on a fait ou quoi? Incroyable. Ok. Là, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a plus rien en trésor puisque ça ne... On va retourner là au cas où on ne sait jamais. Attendez, parce que j'ai cru voir... Petite pièce à gauche, mais... Ah, c'est de là où on vient. Ah! Ça c'est terrible. On va save. Tu connais. Ok. De toute évidence, c'est exactement comme Resident Evil 4. Ils vont tout envoyer, clairement. On va tout recevoir en plein dans la gueule. Ça risque d'être assez terrible. Je vous le dis. Bon, il y a des trucs en bas. Il y a des trucs derrière, évidemment. Il y a des trucs par ici. Est-ce qu'on a... Normalement, on a tout fouillé. Sinon, ça nous dirait qu'il y aura un trésor. Ah, non. Non, 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 regardez-moi ça. Pas mal, 6 balles, hein. J'aurais bien voulu les trouver un petit peu avant. Mais enfin, bon, c'est plutôt bien caché, on va dire. J'ai utilisé mes 2 bombes explosives. J'ai utilisé au moins... Quoi? Non, c'est pas possible.
Non mais là, réellement, c'est pas possible. Dégage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Il s'est perdu ou quoi, le man? Oh, on est où? Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Ok. On a quelque chose ici, toujours. Bon, là, c'est là, ouais. Ok, il fallait à tout prix prendre le... Comment on appelle ça? La tyrolienne. Je pense que le mot est adapté. Hop, on passe par ici. Let's go. Très très bien. Allez, on se barre. Ok, ok, ok. Hop, on va passer par là. Du fluide chimique. On adore les fluides, on adore le chimique, on adore les fluides chimiques. Et on est parti. Bonsoir. Alors attendez, on va tenter un petit move des familles. On va éviter, voilà, de tirer dans le vide comme j'avais fait la dernière fois, n'est-ce pas? Très beau ici, hein. Très charmant, très coquet, très cousu, très décousu. Allez! On avance. On avance, on avance. Là on a un petit pot. La poterie, c'est mon grand dada. On a de la ferraille, des pièces détachées, pardon. On a une caisse. Munitions de pistolet, on en a pas mal. C'est que ça va fight. Oh, le couteau, c'est quelque chose déjà. J'ai beaucoup de crochets aussi. Je suis un petit peu dégoûté de ne pas les avoir utilisés pour l'instant. Allez, on y va. Vous pensez que là, ça va swinguer ou pas en vrai? Vu l'action qu'on a depuis le début. Depuis que nous sommes arrivés dans cette zone-là, on se tape tous les licans. Bonsoir. Bah dites donc. Ça se nourrit. Vous avez bien raison, mangez bien, on arrive. Enfin, j'arrive. Bonsoir. Ok. Encore une save. Ah, ça, tu sais que ça sent pas bon. Les ordres du roi sont arrivés. Nous devons nous replier. C'est rageant de devoir abandonner la forteresse frontalière à ces hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de me mentir à moi-même. C'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges, dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. Quatre statues immenses qui entoure le lieu de cérémonie. Une grotte avec des symboles taillés dans la roche. Et pour finir, une sorte de piédestal, d'estal, pardon, de pierre qu'ils appellent le calice des géants. D'où viennent ceux qui en sont à l'origine et que leur est-il arrivé? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Ok, donc il existe quatre géants, d'accord? Et sûrement un calice à placer pour les activer peut-être, qui s'appelle le calice des géants. Et il y a donc une histoire, quelque part. Si vous voyez ce que je veux dire. Et cette histoire a l'air d'être très intéressante, parce que ça date peut-être... Ah, j'ai peut-être une idée là. Je suis en train de réfléchir, j'ai peut-être une putain d'idée. J'ai peut-être une putain d'idée. Et si, en fait, je dis une bêtise, hein, mais il y avait un laboratoire d'Umbrella par ici, dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire? Un ancien laboratoire d'Umbrella. Vu qu'il y a le drapeau et qu'il y a pas mal de petites choses... Mais non, on est déjà venu ici, qu'est-ce que je prends? Excusez-moi, je suis totalement perturbé en ce moment, d'accord? C'est le changement climatique. Allez, on y va, hop, on re-save. Eh, on n'a jamais assez save. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraîtrait être... Je ne sais pas vous, mais une plutôt bonne idée. On continue. Bonsoir, ça va swinguer ou quoi? Ouais, il n'y a pas de retour ici possible, je pense. Voilà, c'était évident. C'est pas bon, ça. Comment ça, c'est pas bon? Et... ah non, ça c'est pas bon du tout, ça. Ils
s'en bat littéralement les couilles, hein. Oui, c'est bien ce que je pensais. Allez, on y va. Ok. Lâchez cette poutre, monsieur! Il s'en bat les couilles, hein. Oh, on est sur un battage de couilles tellement massif. Bonsoir. Voilà, des petites balles. Plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas fait! Oh, niveau vie, c'est la crise du petit cheval. Ok. Tu veux savoir c'est qui la loi? Je vais te le dire, mon pote. Je suis traumatisé. Va chier. Ouais, va chier, hein. Des munitions de pistolet, des bombes tuyaux, j'aurais tellement voulu les trouver avant. Bon, c'est fait. Alors, qu'avons-nous par ici? Rien du tout. J'ai trouvé quelques balles de pompe, c'est plutôt pas mal, de quoi bien pomper si je puis me permettre. La porte s'est ouverte, et le menu confection, et je suppose que je ne peux plus aller en hauteur. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça je fais, je m'en bats les couilles, je pose pas de questions. Vous savez ce qu'on dit? On dit rien. Ok. Allez. Bats les couilles, on construit, c'est fait pour, mon pote. Oh, c'est beau. Oh, Sugoi. Pardon? Attends, quoi? Ok, c'est juste un amas. Il y en avait d'autres. Mais c'est des cadeaux, c'est du pain béni, ça. Y'a rien derrière? C'est du pain béni, tout cela. Ok. Attends. J'essaie réellement de me concentrer, mais il y a l'air d'y avoir rien d'autre. Bon, on a battu le premier qu'on avait vu dans le village, souvenez-vous, qui était très très chaud d'ailleurs. Bah, il était tout simplement immortel, on ne pouvait pas le tuer au début, on avait qu'un pistolet, on n'était clairement pas fait pour l'anéantir. Beaucoup d'argent, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est de là où on vient, très bien. Bon. Ok. Quel spectacle, Ethan. Bien joué. Pas la peine de te gâcher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi. Encore un petit effort et c'est terminé.
Je vais t'aider. Alors en échange... En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Merde. Apporter les bocaux à l'hôtel. Je peux pas apporter les bocaux à un point de save, s'il vous plaît? Non, ce serait très sympa. Attendez, hop, un petit 3-6, tu connais, on sait jamais, c'est un petit trésor qui traîne par ici. Oh bah dites donc. C'est un trésor. C'est un trésor que je prends, merci beaucoup. Que je prends avec délice et velouté. On quitte le château là? Ça sent pas bon ça, non? Ça sent pas bon. Très bien. Eh bien, quittons ce château, s'il vous plaît. C'est par là maintenant. D'accord, on rejoint... Bah voilà, on rejoint le fameux endroit du village où on avait trouvé les poules de l'autre côté. Ben oui, incroyable. Eh bien, écoutez, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que demain, peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode. Mais vous comprendrez, je pense, vous n'êtes pas bête, que c'est une question de santé. Alors, évidemment, il m'arrive rien de grave, hein. Vous imaginez pas, je ne sais quoi. Mais enfin, la santé, d'abord, même si minime, c'est important de régler ces problèmes. Mais c'est pas sûr, donc à... très vite, et la photo d'un mystérieux poisson. Je crois que celui-ci, en plus, nous l'avons eu sans aucun problème. Là, on a quelque chose qui peut être très important. Suite. Oh! Alors, on a quelque chose, effectivement, qui peut être très, très, très important. D'accord. Opération d'implantation du cadou. MIAIM. Caractéristiques, homme, 21 ans, orfèvre, antécédent de pneumonie, faible affinité, le cadou ne s'est pas développé, transformation corporelle, baisse de la cognition, un autre lican relâché dans la nature. Bernadette B, femme, 21 ans, sans activité, pas d'antécédents médicaux, morte. Alcina D, femme, 44 ans, descendante d'une famille d'aristocrates déchus. Ah, Madame Dimitriscu, c'est elle. N'est pas de ce village, maladie du sang héréditaire. Affinité très élevée, aucune perte de ses facultés cognitives peut contrôler les transformations de son corps, application de la procédure de contrôle cognitif en envoi, en observation. Est-ce que... Miranda, moi je dirais que... Ah bah non, Miaï, Miranda, non. Je dirais que Alcina, c'est Dimitriscu, je pense. Hein. Je me trompe peut-être... Ouais, bon, c'était peut-être un petit peu too much pour un... Oh, oh là là. Donc je disais peut-être un petit peu too much. Voilà. Pour de si petits zombies. Oh là 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 là, c'est terrible, hein. Bref, il est temps de s'arrêter là. Eh, vous voyez, eh, je suis sympa, hein. Je fais durer un petit peu la vidéo, quelques minutes de plus. 5 minutes, c'est 5 minutes, faut les prendre. Faut les prendre, évidemment. Bisous tout le monde, portez-vous bien, évidemment. Ciao, ciao. Et puis, les poules ont été récupérées déjà ici. À bientôt. Ok, je viens d'entendre un truc très très chaud. Je viens d'entendre un truc de ouf là-haut. Et ça me dit rien qui vaille. Allez, cette fois-ci, on se laisse vraiment, c'est un enfer. C'est un...